Ouais, ça glisse, hein. Marc, les pierres, elles sont bien mouillées là aussi, hein. Là, ça grimpe un peu. On a deux solutions. Soit on se tape les marches, ouais. Ici là. Après on arrive là où je t'ai dit, ben oui c'est les marches. Ouais. Sinon on continue là. On va jusqu'à la tour de guet, on se fait X-Fall, c'est comme tu veux. Toi. Allez. Oui. On fait X-Fall, ça fait un petit peu que je l'ai pas fait. La première remarque là qu'on a vu. Ouais. La figure, la plus technique, c'était. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois et j'ai fait le soleil. Ouais. Oh putain. Ça va ou quoi? Et toi? Ça va? Béréger, Christophe. Au niveau horaire, je sais que je suis pas bon. C'est pas grave. J'avais visé les 8h, attends, les 8h30. Tu vas faire laquelle, la Roubelier? X-Fall, c'est en face là. Celle qui descend dans les pelles là, en bas là. Ouais, j'ai une préférence pour Roubelier. Ah ouais? En fait, elle est moins cassante et moins droite, donc tu la prends moins vite, elle est plus technique et. Ça correspond plus à mon âge maintenant quoi. À notre âge à tous je crois. Ah mais si tu veux on te suit, on la prend hein. Comme tu veux. Allez vas-y va. Bah, pour ça je mets la mantonnière. Vas-y va, on va s'arrêter deux minutes. Là on a fait on a pris le DSI devant le X-Fight ça en bas. On est parti à droite, on est monté. On a fait la trace italienne là, jusqu'à la citerne. Jusqu'à la caverne. Ouais, au fond là-bas? Tout au fond. Putain, mais ça fait loin déjà. Ça fait loin, ouais. Il y avait pas mal de chasseurs là-bas, on les a vus en face là. Ah ben là j'entends que ça pète depuis. Ouais. Ouais, l'essentiel c'est de prendre du plaisir après. Oui, oui, voilà, donc c'est ça. Mais c'est pour te dire, en fait, c'est plus celle-là parce que tu risques de me voir partir à un endroit où peut-être toi tu l'as jamais pris parce que. Pour toi, la trace ouais, pour normale, moi, la trace, c'est ça sera pas là. Là. D'accord. Bon, écoute, on verra bien. De toute façon, ça arrive jusqu'à ouais, mal. De toute façon, on y va tranquille. Ah oui. Ouf. Là, celle-là, je me la sens pas. Elle descend là dans la marche là. Et là, arrivé en bas, c'est complètement en bas. À gauche, ok. Ah ouais.
Ouais, c'est dur de se placer là. Mal placé. Et je l'enrobe, je saute pas. À l'époque, le buisson qui était au milieu était ouvert et on sautait au milieu. Ouais, là, et là je reprends à droite, je n'ai pas tout droit. Et ça fait un lacet de plus en fait. D'accord. Ah, la première est toujours de marche. Ouais, la première, ouais. Franchement la première moi je l'aurais pas passé. Vas-y, vas-y. Ah, elle est pas mal. Ouais, elle est pas la mal grosse marche là, elle m'a fait peur un peu. Ouais. Après, il y a la TGV aussi. La connais la TGV ou pas? Non, j'ai jamais prise, je crois, la TGV. TGV, tu l'as jamais prise? Elle est dans la suite de Mad Max, non? Là, on va faire la TGV, c'est que de la terre. Allez. Là, là. C'est pas, c'est la parallèle à Mad Max. D'accord. Après, il faut remonter, on peut enchaîner avec Mad Max. Pas mal ici, c'est que les remontées se font que sur des ATI, quoi. Ouais, quasiment, ouais, quasiment. Ouais, bah ouais. Après, il faut les jambes pour remonter. Autrement, ouais. Alors, on va descendre à gauche. Ouais. Et c'est une piste majoritairement en terre. Je l'aime pas, alors je l'aime pas parce que le ravin est du côté gauche. Moi, il faudrait qu'il soit du côté droit. Moi, tu vois, c'est pas. Et du coup, je suis pas à l'aise. Dans mes appuis, ouais. Quoi. Et on arrive au même endroit en bas. Ah ouais. Donc en fait il faut passer complètement à droite. Ah oui là pour passer. Et arriver et pas arriver dans le caillou. Oui il faut passer complètement là. Ouais. Hop, hop. Voilà pourquoi il fallait passer complètement à droite. À gauche tu peux pas. C'est vrai que là après tu tombes là-bas, c'est chaud quoi. Ah ouais. Ouais, ça glisse, hein. Ça monte. Ah oui, c'est pas large, hein.
Ah, on arrive au même endroit, quoi. La région est pas mal, j'ai mis trois fois, c'est de la terre. Il y avait une DH à l'époque qui allait visiter là-bas. On a tourné au méchant, je sais pas s'il est là aujourd'hui. Ah, mais là, tu peux te faire une sortie de. Allez, on se refait, on se fait la détail. La Mad Max. Vous vous sentez de refaire la côte après? Je sais pas, Christophe. Moi, physiquement, ça va. Ouais, allez. C'est une pratique est toujours bonne quand même. Oui, oui. Oh bon, on va voir, de toute façon on y va tranquille, c'est pas aujourd'hui que... Bonjour. Voilà, tu vois, c'est là. C'est bon, Christophe? La pierre, ouais, et la pierre j'aimais bien parce que c'était quand même un geste technique où tu arrivais, il te fallait soulever l'avant et relâcher l'arrière, alors que maintenant t'as plus qu'à rouler comme un bourrin et tirer. C'est ça, ouais. Bon, ben j'en remonterai pas une troisième fois. Ouais, alors c'est dommage parce que sinon on peut en faire trois de plus. Non, là deux fois c'est bon, deux fois c'est bien. Donc là du coup Jedi, on va la faire, on va voir, ouais, on va la faire tranquille, plus en mode découverte qu'en ouais. Mode ok, c'est bon pour vous, allez c'est bon, je suis prêt.
Ouais, et ça se fera. Ouais. Hein? Ok, oh putain, ouais. Sauf qu'à l'époque, si tu veux, c'était vraiment le muret. Donc, arrivé là, tu prenais appui et tu sautais. Mais sauf qu'à l'époque, tu avais. C'était de la gravette, quoi. Il n'y avait pas de gros cailloux, c'était que du petit caillou. Et si je me trompe pas. Elle est chaude, celle-là-haut. Il y a un échappatoire hein, juste à gauche à l'époque. Et celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est celle que si tu vas tout droit, tu arrives là où je t'ai dit dans le chemin. Que je t'ai dit, elle n'est pas hyper dangereuse, mais. D'accord. Mes collègues, à la vitesse où ils la prennent. Ah, celle où le pont là-bas. Celle où je te disais que. En fait, c'est un chemin, hein, ça fait que descendre comme ça. Mais il n'y a pas trop d'intérêt à part de la prendre à Mach 12 ou là. Oui, voilà, prendre la vitesse, c'est faire plaisir voilà. En vitesse, quoi. Donc là. Là c'est un mur là-bas, non? C'est un mur et c'est des marches d'escalier. Après là. Là, on est vraiment dans le principe où tu lâches légèrement les freins, tu n'arrêtes pas le vélo dans la descente. Après, je sais pas si c'est pas trop mouillé aujourd'hui pour. Ouais, ça descend raide quand même là-bas. Voilà, mais sinon, on va tenter l'échappatoire. Je l'ai jamais pris. Hein. Allez, vas-y. Voilà, donc là tu la vois de. Ouais. Elle est raide quand même. Hein. Non, mais elle est raide. Ouais, c'est vrai que. Voilà, aujourd'hui mouillé, ça aurait pas été malin de la prendre. Yeah. Donc en fait le sauter c'est pas le problème. Mais si, c'est réussir à enchaîner la fin du saut. Mais à la rigueur c'est moins risqué de le prendre droit doucement plutôt que d'aller chercher l'échappatoire avec ce rocher au milieu. Non ouais parce que non, là ça passe propre là. Là on voit pas mais ça passe. Ça passe, mais par contre, tu freines pas dans la descente et après tu as une marche. D'accord. Donc, tu. Doucement. D'ailleurs, elle a. Quand même. Attends, laisse-moi la regarder. Ah, mais le début a bougé. Elle est comme ça avant. D'accord. Regarde-la à l'œil avant.
même, ça faisait pas la première marche d'entrée. Ah ouais, tiens. Et tu vois le béton en dessous. Ouais, ouais, tu vois le béton. Ouais. Mais à mon avis, le béton a été pété sur le départ. Le problème, c'est que tu peux pas trop freiner. Parce que le départ, j'ai pris une marche dans la gueule que je prends pas d'habitude. Alors c'est vrai que je la prends peut-être plus rapidement. Tu l'as prise là, trop là, non? Non, 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 faut que tu suives le... Parce qu'après, faut que tu passes au milieu. Faut pas que tu viennes sur la gauche, là. Non. Bon, moi, je vais la faire à pied. Hein. Je travaille demain. Ah ouais, là, elle est impressionnante, celle-là. Petit faisant là. Tu l'as vu le faisant? Il a décollé juste devant moi. Moi je l'ai vu, mais il marchait moi encore. On l'a surpris. J'ai entendu le truc décoller le gros, je sais pas ce que c'était. Ah, il est passé là devant moi comme ça, là. J'aurais bien sur la caméra. Donc t'as vu, elle est quand même... Ouais, elle est pas mal, ouais. Bon, moi la marche, elle m'impressionne quand même. Hein? La descente là, bétonnée, elle m'impressionne. La descente, il y a quelque chose qui a bougé, parce que moi j'ai bougé sur le truc, alors que normalement, boup-boup, ça passe, alors que là, j'étais pas là où il fallait. Et je pense qu'il doit manquer un caillou en haut. D'accord, de mettre scellé sur le départ, ce qui fait que ça te fait descendre plus léger, bas, une marche, et après t'es plus, alors qu'avant c'était lisse et t'as absorbé la compression en bas, tu vois. Le freinage plus facilement, quoi. Ouais, y a là, il y a quelque chose, il faudrait que, en haut, mais... Et après il y a quand même la suite là, la petite marche après. Ouais, mais en fait t'avais que ça, ouais. Tu as un rocher au milieu, tu sais plus... T'avais que ça à gérer en fait avant. Ouais. Alors là, on a deux choix. Ou on remonte par là où tu aimes, ou on remonte par là. On va remonter par là. Ah, allez, c'est toi qui choisis. C'est la dernière côte. Ouais. Ben, avant-dernière, parce que après, la finale, c'est la dernière côte chronométrée. Bon, je vais pas rouler pour me faire plaisir et rentrer content. Hein. Mais c'est ça, ouais. Les gens, ils se mettent sur le côté, tu les remercies, bonne journée. Voilà, voilà ça. Voilà, c'est ça. Bien, tu ralentis quand tu passes à côté voilà, d'eux. Ça et... coûte rien. Et voilà, t'es pas là pour le chrono. Tu serais là pour le chrono, tu serais pas là, hein. Tu serais en compétition. Hein. C'est ça. Nous, on est là, nous, on est là pour se faire plaisir. Allez, c'est bon pour vous? Allez, vas-y. Donc là, tu connais? Non, je connais pas, là. On descend. Perpendiculaire à droite dans les arbres. Ouais. Tu verras. Après, droite. Et ça fait des pif-paf entre les arbres, ça fait, c'est ce qu'on appelle les virelots. D'accord. Après, on enchaîne avec Tapin. Tapin parce qu'il y avait une pute à l'époque. Et si tu étais arrivé de là-bas, tu pouvais passer là en bas.
et enchaîner tout droit. D'accord. Donc peut-être que tu connais avec l'entrée là. Peut-être là, ouais, on va voir. Ouais. Ouais, ouais. Et après, on arrivera, on traversera la route et on ira chercher la finale de l'autre côté de la route à droite. Okay. Je sais pas si tu la connais aussi. Peut-être. Je vais, de visu, ça me parlera plus, mais là. Si tu la connais pas, je reste en vue. Pourquoi elle s'appelle bien? Ouais, j'ai compris. Elle est terrible celle-là. Elle est pas mal. Ouais. Je me fais peur trop souvent. Tu vas trop. Ah oui, tu pars vite. Hein. À droite.
À gauche. Elle est bien celle-là? Ouais. Salut, bonne sortie. Salut. Ça t'a plu? Ah, vraiment, ouais. Ben voilà, c'est le type de sortie qu'on fait. Après, moi, tu vois, voilà, quand je sens pas, je passe pas. Ouais. Je vais pas me. Tu vois? Ah, je me suis forcé un peu à certains endroits. Mais non, franchement, je me suis. Peut-être que la prochaine fois, je le ferai, mais là, je connaissais pas, tu vois. Donc, moi, j'ai. Je me suis vraiment régalé. Ouais. Bon, mais si tu t'es régalé, c'est le but, là. Merci beaucoup. On se fait la petite photo? De la journée? Allez, on fait une autre. Impeccable.